L'ignoble Polynis d'Orchomène, exilé de Thèbes, a dérobé la robe et le collier d'Harmonie. Le traître, qui prétend régner sur Thèbes, a promis ses objets et d'autres prises de guerre à Adras d'Argos, et Tidé de Calydon s'il l'aide à conquérir votre cité. Il vous faut défaire ces fourbes pour conserver ce qui vous appartient de droit. Pendant ce temps, Héphaïstos, le dieu boiteux, a surpris sa femme dans les bras d'Arès. Peu à peu, à force de réflexion, il a fini par comprendre pourquoi Arès et Aphrodite semblaient tellement fiers d'Harmonie au mariage de cette dernière. Et pourquoi la superbe déesse de l'amour a jugé bon de passer 9 mois à soigner sa beauté dans une station thermale il y a environ 20 ans de cela. Plus brûlant que les feux de sa forge, Héphaïstos a juré de détruire tout ce qu'Arès chérit, qu'il s'agisse d'un mortel, d'un monstre ou d'une cité. Oh là là, les feux de l'amour de Zeus et Europe. Bienvenue mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ah là, eh oui, c'est cela. Héphaïstos a compris qu'il y a 20 ans, Aphrodite et Arès ont une petite liaison amoureuse, et qu'Aphrodite a ainsi donné vie à une fille qu'elle a appelée Harmonie, et qui s'est mariée récemment, donc, sous notre vision. Et du coup, Héphaïstos nous envoie à nous. Eh oui, du coup, on va avoir la visite d'Héphaïstos, mais n'ayez crainte, Aphrodite est avec nous. Autre chose qui nous concerne plus directement, Orchomène. Polynice, d'Orchomène, exilé de chez nous, donc c'est nous qui l'avons exilé apparemment, même si je n'ai jamais entendu parler de lui, a dérobé la robe et le collier d'Harmonie, salopard. Du coup, le traître qui prétend régner sur Thèbes a promis ses objets, hein. Ok, et du coup, Argos et Calydon, enfin leur chef en tout cas, se sont mis en tête qu'ils avaient à gagner à me combattre moi. Moi, qui ai fait tellement pour eux. Bref, il est temps de leur montrer qui on est. Voilà, et puis un peu le maître de l'ordre dans tout cela. Alors voyons voir s'ils sont déjà conquis ou pas du coup. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Bref. On va aller la battre, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mesdames et messieurs. Où est-ce que je pourrais demander... Ah, du coup, Calydon et Argos, il va falloir les re-abattre, hein, à nouveau. Orchomène aussi, ici, regardez. Ah, et Montpellion sont de retour, mais c'est parfait, fantastique. Parfait, Montpellion. J'ai déjà un poste de commerce à Montpellion. Objectif des logements à terre, merci, je le savais. Montpellion. Non, ça c'est celui-ci, c'est Montpellion, voilà, achat de bronze, voilà, très bien. Du coup, il va falloir conquérir Montpellion également, si on veut pouvoir avoir du bronze. Toi, je vais t'acheter de l'armement, vous achetez des armements à finir. Ah, je peux pas acheter de l'armement à 2 personnes en même temps, d'accord. C'est un peu nul, ça. Temple d'Achille, oui, je suis au courant, merci. Alors, les dieux. Ah, l'oracle d'Apollon, voilà, donc... On va faire l'oracle d'Apollon. Ce serait bien de le faire ici. Tout simplement parce que Apollon peut bénir nos amis. Voilà, on va le faire comme ça. Nos amis les sportifs. Et surtout Apollon il a un pouvoir suprême, c'est qu'il peut détruire les monstres. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Mais, ah! Où Stop! Stop it right now! Retourne en arrière, retourne chez maman! Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais non! Mon Agora! Saloperie! Magnifique OST là, j'adore cette musique, franchement. Bon, combien j'ai d'armement là? 12, c'est pas assez, m'en faut plus.
sculpture, je veux pas en vendre. La maison de laine. Pourquoi? Elle a la laine pourtant. En recrute. Pourquoi? Ah oui, parce que du coup. Il est où le monstre? Bordel, mais elle s'en va loin, elle. Bah arrête-toi. Bah elle est devenue folle. S'il vous plaît, quelqu'un, faites quelque chose. ...24 en armement. Ok, ça veut dire qu'ici... Non, tais-toi. Ici... Ça fait combien? Alors attendez, 24... Il faut 8 en fait. 24 et 4, 28 et 4, 32, c'est ça. Début des jeux de la cité, en plus c'est les jeux de la cité. Je suis persuadé qu'Atlas apprécie de soutenir le ciel au-dessus de cette cité. Elle est super... Voilà, nous accueillons le nom. Ce stade accueille de nombreuses compétitions entre champions parce que c'est les jeux de la cité. Voilà. Il y a les concurrents qui arrivent et tout, et il y a la ménade dans notre cité, quoi. Pourquoi il m'a vendu qu'un armement? Ah non, mais on a vendu zéro. Mais attends. Ah non, c'est de l'export. Mais non. Ah, on est en juillet. Allez, 27, allez! Allez! Et Apollon s'avance doucement, trop doucement. 28, allez! Plus que 4! 4! Oh là là! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Oh là là! Bon, ça va, elle repart. On a remporté nos propres jeux! Mon dieu! Nous sommes trop forts! Dans 4 ans, on accueillera encore des saltimbanques. Voilà, la puissance de nous. Ha. Avez-vous déjà vu des bâtiments plus solides? Archimède serait fier. Ouais, ça va, tu te congratules pas sur ton boulot, mec. Allez, plus que 2 armements. Toi, 12. 78. Qui suis-je? Et toi? Ulysse? Et 75. Combien de temps devrais-je voyager avant d'atteindre ma destination? Et où est Calypso? Et où est Calypso? Ah! Ah! Allez! Ah! 32! Il est où, Achille? On s'en fout! On s'en fout! Mais qu'est-ce qu'il voit? Ok, c'est juste pour me dire que tous ils m'adorent. Un ennemi approche! Calydon! Mais Calydon, mais non! Mais Calydon, je vais te réduire ta face en miettes! Non mais, c'est vrai! Dans 8 mois! Alors en plus! Bon, que fout Achille là? Je l'aime bien Achille, hein! On l'a trempé dans une mare et tout quand il est des gosses et tout, hein, on connaît l'histoire, mais pourquoi il me manque plein de gens? Ah, 296 personnes doivent arriver! Bon allez, Arès là, Arès apparaît maintenant. Putain, quand... Y a la ménade, à côté de chez Arès. Il pourrait juste pop comme ça, lui réduire ça. Voilà, il apparaît trop tard. Ah ben bravo, hein. Ah, voilà. Merci Achille. Tu n'es pas arrivé trop tôt, je tiens à te le préciser. Bon par contre, il faudra te bouger. Orcomen m'estime beaucoup. C'est trop tard, mec, t'as fait l'irréparable. Allez Achille, brouille. Alors là, c'est demi-dieu alors.
6 mois, on s'en fout. On aura tué la ménade. Ça ne sera plus un problème. Allez, Achille. Allez. On y va. Ah, merci, mon Pélion. Allez, Achille. Allez, Achille. Allez, mon petit. Allez. Allez. Fight, lui. Fight. Tu l'as. Allez. Mais on s'en fout. Oui. Bravo, Achille. Fou. Fin de la ménade. Voilà. C'est bon. On peut arrêter de ne pas respirer. Mariez-vous. Si vous trouvez mais non la femme mais non. Elle vous rendra heureux. On sent. Sinon, vous ferez un excellent philosophe. Bon, on va attendre que Calydon nous attaque. Bon, du coup, je crois que ce coin-là, il est un peu maudit, mais bon, on va remettre une dernière fois exploitation de blé, etc. Au cas où il n'y ait plus de ménades dans ce coin-là. Tac. 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 Voilà. Et les ennemis se rapprochent. Ah oui, ils sont encore chez eux, quoi. Non mais il croit vraiment pouvoir m'attaquer comme ça. J'ai Athéna, vous allez voir Athéna va faire un massacre. J'ai une armée solide. J'ai Dragon avec moi. J'ai Achille. Ils veulent me faire quoi? Argos aussi? Ça ils ont rien compris à la vie. Ils veulent me faire quoi? Je ne comprends pas. Comment tu peux penser pouvoir vaincre une cité aussi puissante que la mienne? En plus, je les ai déjà vaincus une fois. Enfin, je les ai conquis une fois. Ça va leur apporter quoi de se rebeller comme ça? Ah oh là là là, dans un mois, voilà, allez, dans un mois. On recrute, mais pourquoi on recrute? Ah oui, parce que c'est. Ils sont en train de se préparer, les gens. Allez, où c'est que vous allez alors? C'est où la bataille? La bataille épique se passera ici. Ah oui, c'est quand même assez près de mes habitations. Pas grave, on va les mater. Dans l'oignon de Léisis, merci Léisis, c'est tout plaisir. On va pouvoir bouffer des oignons. Alors imaginez, vous prenez un oignon, vous l'épluchez et vous le bouffez. Voilà, ça donne ça à peu près ce qu'ils bouffent par ici. Effondre la cité. Ça où? Athéna, attaque. Voilà. C'est pas grave. Non mais, il y a une déesse qui est en train de vous ruiner, quoi. Qui est en train de vous laminer la gueule. Ah, ils sont nombreux quand même à Calydon. Regardez. Il y a une déesse qui est en train de faire n'importe quoi avec vos tronches. Non mais ils sont sérieux. Merci, Calmé. Et tout le monde veut que je bouffe de l'oignon ou quoi? Ah, Achille qui arrive également. Allez, vous avez un demi-dieu et un dieu qui vous agresse, qui vous... Vous avez même pas encore commencé à attaquer, là, avec vos formations de je sais pas comment. Où il va, Achille? Mais qu'est-ce qu'il fout? Le mec, il s'en va, il se barre. Allez, on vous jette des cailloux. Des cailloux dans la maison. Voilà. J'ai détruit la moitié de leur armée juste grâce à Athéna, quoi. Troupes d'attaque battues, mais tu m'étonnes. Ils ont rien fait, mes soldats. Ils sont morts à coups de cailloux, quoi. Non, mais sérieux, voilà. Ça y est, c'est fini. Vous pouvez rentrer à la maison. Génial. Voilà. Épique. Ils ont rien pu faire. Pourquoi ils obstinent comme ça à vouloir m'attaquer? Alors, on va aller attaquer Argos avant que ceux-ci ne nous envahissent. Comme ça,
Alors, remets-moi la vue normale, s'il te plaît, merci. On a besoin de bois. Ah, je n'ai pas de bois disponible. Ah mince. C'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Voilà, la population revient dans ce logement. Personne n'est mort. J'ai même pas eu une seule victime, quoi, dans cette attaque. C'est ridicule, ridicule. De nombreux domaines souffrent. Dans un mois, allez, hop, c'est reparti. En fait, ils veulent m'avoir comme ça, ils veulent m'avoir à l'usure, en fait, les mecs. Bon, c'est toujours même endroit, c'est ça, rendez-vous où on s'était dit il y a 10 ans. Bon, c'est là, cette fois-ci, d'accord. Ils viennent par la mer, non, ils viennent à pied aussi. Où vont-ils pop cette fois-ci? Un immortel boiteux a certainement plus de pouvoir que vous ne pouvez l'imaginer. Très bien, on va pouvoir continuer à faire Apollon du coup. Voilà, ça y est, Aphrodite a vaincu. Voilà, adieu Héphaïstos. Génial! Pour l'instant, Athéna va attaquer les troupes l'Argos. Les mecs ils combattent quand même, t'as une déesse en face de toi, tu sors ton épée, tu combats. Moi j'ai, ils sont courageux. Je dois leur reconnaître ceci. Ah, on a conquis Argos, voilà. Bon, ben voilà. Voilà, j'ai plein de monuments, plus conquête, victoire, tout ce que tu veux. Ah non, pas victoire du coup. Oh, quelle horreur. J'ai oublié de mettre des foutus bancs d'agrément. On va mettre des... Y a pas des bancs. Voilà, des bancs. Voilà, comme ça les gens vont pouvoir s'asseoir. Soldat retour victorieux. Tout ça, on est content. Walou. Alors, vu que l'épisode d'avant... C'est ça, c'est celui d'avant ou celui d'avant encore. Était très court. Je propose qu'on aille conquérir les autres cités, mais de façon, du coup, un peu plus longue. Chômage 15%. Pouf. Voilà. Ah, regardez-moi ce magnifique athlète Apollon. Par contre, il va me falloir du bois urgemment. Toi, merci. Je n'offre rien en retour parce que je suis un ingrat. Ok, je peux revendre les sculptures du coup. Je les mets, hein, très bien. Alors, est-ce que à ce niveau-là, on est mieux? Non. Ah, voilà, merci Sidonie. Sidonie aussi. Alors du coup, toute cette partie-là est conquise. Donc on va conquérir le haut avec... Tassos et Montpellion. Ensuite, nous pourrons conquérir Orchomen ainsi que Calydon. Voilà. C'est le but de cette fin de scénario. Du coup, épisode exceptionnel, puisque c'est la fin du scénario. Après cela, nous en aurons terminé avec Zeus et Europe. Nous passerons suivant dès la semaine prochaine, du coup. Si je ne m'abuse. Ok.
L'oracle d'Apollon est terminé. En recrute, mince. Voilà, Apollon. Qui suis-je ? On s'en fout. J'aime regarder les mortels au jeu, jouer la comédie, pontifier et faire de l'athlétisme. Voilà. Grand sportif qu'il est. Alors évidemment, du coup, vu qu'il nous manque des gens, on va faire ça. Très salement, évidemment, parce que c'est... sinon ce ne serait pas moi. Il le faut. Il le faut. Oh, 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 oh. Bon, du coup, je ne vends plus d'armement pour l'instant, mais je peux revendre du bois par contre. Ici. Non, ici. Ouais. Walou. Ah, très bien. Second, je les mets un. C'est tout bonnement impensable. Bon, alors, du coup, mon pélion. Ah, attendons, attendons, attendons quelques secondes. Mais où tu vas? Mais non, ce n'est pas la bonne direction. Allez, mon petit colporteur, colporte donc tes armements. Très bien. Alors, on avait dit mon pélion en premier, parce que mon pélion, ils sont détruits. Tout... Ah, c'est pas encore le cas. Mais qu'est-ce que vous attendez? 4-4, 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
ce sera reparti pour la guerre. Nous sommes en période de guerre, donc forcément. Nos armées ne s'arrêtent pas. Ah, retour sur la victorieux, parfait. Du coup, Tazos, je sais que tu m'en veux, du coup. Alors, attendez, parce qu'il y a un tigre, c'est pas normal. Ah mais oui, il me manque un cheval. Mais c'est pas normal. Il ne devrait pas me manquer un cheval. Ah, ça y est. On va pouvoir partir pour Tazos. Tazos a des besoins de bois, mais je n'ai pas de bois, ne t'inquiète pas. Je ne te ferai qu'un petit peu de mal. Voilà. Walou. Comment prendre cher? Un ennemi en approche, c'est qui? Ah, Orcomen, on va enfin pouvoir les combattre. Je n'ai point de bois, Tazos. Alors, pendant 12 mois, tu as besoin de combien de bois? 10 bois, ben c'est parfait, regarde. Aucune vente. Ah, en plus, je peux te les envoyer dès maintenant, parfait. Voilà. Alors, moi, je suis le genre de mec, voilà. Tu me demandes du bois, j'en ai. Ben, je te l'envoie, mais par contre, par derrière, je t'envoie aussi mon armée pour te conquérir. Dans les 4 mois, ok, dans les 4 mois, on sera envahi. Bon, c'est pas grave, on va repousser leur armée parce qu'ils servent à rien. Ah, eux aussi, ils viennent par mer. Ah non, ça, c'est nous. Non, parce que s'ils viennent par mer, ça veut dire que moi aussi, je peux aller les attaquer par mer. Non, à mon avis, Orcomen, c'est par terre qu'on pourra les avoir. Fin des jeux pitiques. Ah, ils ont remporté les jeux pitiques. C'est merveilleux. On a les meilleurs acteurs de la Grèce. C'est fou, ça. On a les gens qui savent le mieux simuler au monde. Pouf, revenons à la normale. Hop. Alors, voyons un peu le plan de bataille. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai plus rien à faire dans ma cité. Hein. Franchement, elle tourne toute seule. Hein. Je pourrais la laisser comme ça, seule, face au monde, qu'elle tournerait magnifiquement bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à Tazos? On les a tués ou pas encore? Ah, mais on a plein d'armements, très bien. Allez, plus comme moi. Ah, à considération accrue de la cité de Tazos, le même jour que... Eh ben, nous avons conquis Tazos. Voilà, très bien. Alors, notre armée est là. Très bien. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que... Eh ben, j'ai pile assez pour un nouveau monument. Parfait. Le monument à la victoire qui arrive très prochainement. Ah! Alors, je pourrais me rendre... Je pourrais payer 1500 drachmes, j'ai les moyens de tout ça. Bah non, on va se défendre plutôt, n'est-ce pas? Voilà. Allez, Aphrodite arrive. Aphrodite est là. Et puf. Ah, elle a décidé qu'elle avait pas envie d'utiliser ses pouvoirs spéciaux. Du coup, elle y est allée à la main. Voilà, moins 4 déjà. C'est le massacre. Retour des soldats victorieux pendant la guerre. Voilà, c'est le massacre. Je ne peux même plus accepter les tribus qu'on me fait, quoi. Ouais, le massacre. Voilà, ils sont déroutés. Ils ne comprennent rien. Ils sont déroutés. Ah, dragon arrive également. Voilà. C'est la guerre.
groupe d'Adak Matu, très bien. Arras, il en a rien à foutre. Voilà, c'est fini. C'est fini. Puf. Regardez-moi. Magnifique. Magnifique. Alors, que nous offre Thasos? Ah, du vin. On a beaucoup de vin. Hein. Du coup, il y aura Scalidon et Orchomène. Je me ferai jamais avec leur nom. Grandiose, moi je dis. Alors, Arès, qu'est-ce que tu... Ah, il veut bien nous aider, du coup, à aller combattre Orchomène avec Arès directement. Parce que, comme vous pouvez le voir, ils ont beaucoup de gens. Puf, 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 puf. Puf, puf, puf. Inaccessible par la mer, de toute façon, voilà, hop. À mon tour de répondre à votre appel. Elle prend dans les armes auprès de vos hommes. Oui. Du coup. Je crois que les gens, ils se vexent quand tu refuses de prendre leur truc. Leur don. Du coup, je vais pas tarder à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chômage. Mais bon, pour l'instant, j'ai du Rocky. Donc bon. Ah, voilà. Voilà. 82, 130, 274, 300. Très bien. Non. Voilà, très bien. J'ai quand même 114 de chômage, hein. Voilà, Orchomène va être détruite en un rien de temps par notre cher ami Arès. En plus, c'est encore les jeux de notre cité. Fantastique. Regardons un peu les jeux de notre cité. Alors on peut voir à gauche un mec qui ne fait rien à part faire la manivelle sur un bouclier. Ah, on l'a conquis quand même, mais ça c'est normal. On voit un autre mec se faire tabasser à coups de coude par un autre. On en voit qui se tâtonne l'épaule. On en voit qui est en une position très bizarre également. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Ah oui, d'accord, en fait le mec avec son bouclier, il est censé rejeter. D'accord, ah d'accord, il doit éviter la lance que lui jette l'autre mec, d'accord. Alors on est arrivé second lors des jeux de notre cité. Ah là là. Ah là là, moi je dis, nos athlètes ils sont pas assez forts. Ça mérite le fouet tout ça. Bon, bah en tout cas, Orchomène est à nous. Voilà, ça nous paye 10 marbres par an, mais j'en ai pas besoin. Du coup, dès que nos soldats seront de retour... On ira attaquer Calydon et on aura terminé Zeus et Europe carrément. On aura terminé la campagne enfin. Je veux dire enfin. Mais oui, envoyons Academy. Sois gentil Academy. Voilà. Alors du coup, vous êtes de retour aussitôt. Ah mais il faut que j'attende, bordel. Bordel, bordel. Ils font un peu du caca. Hein. Ils disent rien les gens. Tu vas interviewer des gens, c'est comme si Nelson Montfort allait voir des sportifs à la fin d'un match et qu'ils s'en foutaient complètement. Ils disaient rien, tout ça. Bon, c'est déjà arrivé, mais bon, voilà, le pauvre, il se sent seul à la fin. C'est pas cool. Alors, comment se portent nos armées ? Ah, ça y est. Très bien. Voilà. Et voilà, c'est parti. La fin de ce jeu est lancée. La fin de ce jeu est lancée. Voilà. C'est dit. Enfin, la fin de cette campagne, quand même. Nous allons faire les autres campagnes, au minimum, au moins une autre. Voyons, enfin.
Mais qui seront dans la cité, je vais sauvegarder juste. Histoire d'être au cas où. Voilà, fichier. Un immortel boiteux a certainement plus de pouvoir que vous ne pouvez l'imaginer. Ah, attendez, alors on va sauvegarder. Sur mon ordre, toutes les forges de la cité s'éteindront. Et on ne pourra plus travailler le bronze. Ouais, ouais. Tu vas surtout te faire écraser par Aphrodite. C'est ça, casse-toi, casse-toi. Non mais... Pfff. Oh là là. Voilà. Plus qu'attendre le mois prochain, je pense. Ah non. Le mois d'après, alors. Et nous aurons terminé cette campagne. C'est quand même fou. 8 épisodes, 8 longs épisodes pour en arriver là à une cité parfaite. Oh là là là, ça manquerait plus qu'on rajoute un petit peu de théâtre. Vous avez totalement écrasé l'usurpateur Polynice et les chefs qui l'ont soutenu sont maintenant sous votre contrôle. Thèbes n'a plus rien à craindre de personne, même pas d'Héphaïstos. Voilà. Alors je disais juste avant de me faire interrompre par cet inconscient que oui, il manquerait plus qu'on rajoute un petit peu des théâtres et tout ça, histoire que nos athlètes gagnent à chaque fois les jeux. Mais bon, c'est du pinaillage. Bref, est-ce qu'il y a un dernier discours à la fin ou pas? Mais ça veut dire qu'on a terminé. Hein. C'est parti. Un seul de vos exploits suffirait à vous placer parmi les meilleurs chefs de Grèce. Non seulement vous avez défié le serpent d'Arès et sauvé Europe de Crète, mais vous avez même éradiqué la menace des Ménades et déjoué le complot de Polynice contre vous. Jamais un chef n'a fait autant que vous pour la Grèce. Cette musique de la fin, le scénario de fin. Oui, oui, je dis oui, 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 oui. Ça y est, on a terminé de The Europe, enfin, enfin. C'était le plus court, hein, je crois, un des plus... Non, c'est loin d'être le plus court, c'est un des plus longs même, oula. Que racontais-je? Je crois qu'il y en a, ils font 5 scénarios et tout. Enfin bref, on a terminé avec celui-ci. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Le Maître de l'Olympe Zeus, avec évidemment une nouvelle campagne, une difficulté supplémentaire, hein, je ne serai plus en débutant la semaine prochaine. Et puis, merci en tout cas à vous tous d'avoir suivi cette campagne jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, etc. Qu'est-ce que je pourrais améliorer, par exemple, pour la prochaine campagne et tout. Et puis, on se retrouve très rapidement. Allez, merci à tous, bye tout le monde, à la prochaine.